Eh bien, salut tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Inazuma Eleven. Je vous retrouve directement devant le hangar secret, étant donné qu'on devait y aller. La dernière fois, on avait affronté le 11 légendaire d'Inazuma, enfin les anciens joueurs de l'Inazuma Eleven, parce qu'ils devaient nous apprendre tout simplement la technique de l'oiseau de feu, il me semble, si je ne me trompe pas, pour battre tout simplement l'école Shuriken. Et notamment avec Marc, on avait débloqué la main magique. Donc écoutez, on va bien voir ce qu'il advient dans cet épisode. Eh bien, on dirait que vous êtes sur le point de maîtriser l'oiseau de feu. Bon, aujourd'hui, on vous a préparé un entraînement spécial. Entraînement spécial? Wow! Ils sont tous là. Boum. Bon, c'est tous des vieux rabougris, mais... Ah, ils sont tous là. L'Inazuma Eleven. C'est du bon boulot, gamin. Aujourd'hui, vous allez faire un match contre nous, les anciens de l'Inazuma Eleven. Un match avec une pause de 40 ans, ça c'est excitant. Après une pause de 40 ans. Nos techniques vont vous brûler la rétine. Ouah, on va enfin pouvoir affronter les anciens de l'Inazuma Eleven. Hé, c'est pas le moment de jouer les poules mouillées, les gars. Place au match. Ok, donc on les affronte, ok, en 11 contre 11. Eh ben, écoutez, on va bien voir ce qu'il advient. Déjà, on a la nouvelle technique avec Marc. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas du tout combien de points techniques est-ce qu'elle consomme, notamment. Donc, on va voir un petit peu ça. Et puis, est-ce qu'on l'a déjà débloqué en match aussi? Parce que c'est vrai qu'on l'avait utilisé, c'était dans une cinématique, mais pas forcément en match. On va vous montrer ce que valent les anciens. Allez. Alors, le but, c'est de faire quoi? On gagne le match? C'est un match complet? Je suppose. On va bien voir. Donc, on a Axel. Très bien. C'est vrai qu'heureusement qu'Axel, il est là à l'avant. Parce que sinon, j'ai que du type bois avec Shadow et Kevin. Et puis, il y a Timmy derrière qui est type bois aussi. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément foufou. Alors, qu'est-ce qu'on a de leur côté? Ok, on a du feu notamment. On a pas mal de bois, mais en défense. Donc, ok. Oui, je regarde un petit peu leur type. C'est vrai que d'habitude, je le fais pas. Allez. Oh. Ok. Spirale de défense, contournement. Allez, on va tenter spirale de défense. Nickel, ça marche. Je sais pas du tout ce qu'ils valent, mais c'est vrai que dans le... On avait fait un défi là et c'était pas forcément super simple. Donc j'espère que ça va aller. Oh là, déjà là il passe 3 personnes, donc faut pas demander. Un petit mur. Je pense que ça devrait marcher. Hop là, allez, voilà. Bon, je pense qu'avec Kevin on peut tenter le dribble, à mon avis il doit être assez fort. Voilà, exactement. Est-ce que je tente le dribble avec Kevin? Déjà, on va faire ça au cas où. Et on va tenter le dribble, hein, écoutez. Ah ok, il utilise une technique. Bon, du coup, pas forcément facile. Allez, la petite spirale de défense. Oh, électrocution est plus puissant. C'est cool parce qu'on voit encore des nouvelles techniques alors qu'on avance petit à petit dans le jeu. Donc c'est vrai que ça, c'est bien. Bon, on va réutiliser le mur. Alors le souci, c'est que j'utilise beaucoup de techniques. Mais faut avouer qu'ils ont pas l'air super simples. Allez, Nathan, récupère la balle, s'il te plaît. Oh là, Nathan, tu me déçois, mec. Je voulais aller faire la passe à Shadow, mais malheureusement, il est venu directement. Bon, évidemment, je suis battu. Normal, ils étaient deux. Ah, il a pas de technique, Steve. Ah, je pensais qu'il en avait une au moins. Ah, il en a pas du tout, lui, en fait. Je crois pas qu'il ait des techniques de tir et tout. Bon, bah... Ah. Si circulaire, hein, écoutez. Ok, électrocution est plus puissant que si circulaire, bon. Ah, c'est à ce moment-là qu'on a un souci. Et effectivement, on a la main magique. Ah, par contre... J'ai oublié de leur remettre des points, c'est vrai. What? The fuck?
C'est quoi cette technique, wesh? Ok. Bon, là par contre, c'est un peu de ma faute. J'ai oublié de remettre des points techniques, notamment à Marc. Et c'est vrai que Marc, j'ai envie de dire, c'est le plus important à ce niveau-là. Hein, parce que c'est vrai que si lui n'en a pas. D'ailleurs, on va lui faire bouffer quelque chose à Marc. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire bouffer? Il faut des pétés. Prends beaucoup de pétés. Allez, hop, à Marc. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin? J'ai pas. Attendez, j'ai pas un truc qui redonne un peu de pété? Rends tous les pétés. Rends beaucoup de pétés. Tu as déjà utilisé un objet. Ah, je peux pas en utiliser. Oh là là, c'est vrai. Bon, mais c'est la merde. C'est la merde! Oh, et puis à chaque fois, on se fait choper le ballon n'importe comment ici. Allez, dites-moi que vous arrivez à le prendre là. Voilà, nickel ça. Allez, le petit tac, dis-moi que tu passes, Axel. Yes! Quoi? Oh non, foot, t'es sérieux? Allez, Shadow, Shadow, Shadow. Voilà! Oh, c'est pas vrai, mais on n'y arrive pas, hein. Quoi? Bon, allez, on va retenter le dribble encore, mais. Oh là là. C'est pas vrai, ils ont beaucoup trop de technique, hein. Bon, lui, à mon avis, voilà, il se fait passer facile. Ok, par contre, Kevin, il y a peut-être moyen de faire un petit truc, surtout qu'il a beaucoup de pété, donc. On est parti. Ah, on a électrocution avec lui. What? Depuis quand? Je sais pas si c'est moi qui lui avais mis ou bien si c'est une technique. Et moi je m'en fous, hein, j'y vais avec. Avec toutes mes techniques là. Parce qu'il faut absolument qu'on marque. Donc on est parti, j'ai envie de vous dire. Et on est parti. Oh non! Non, 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 non! Attends, disparition. Oh là là, c'est pas vrai, par contre on utilise vraiment tous ses points hein, lui hein. Non! Oh j'avais pas vu le temps, mais il aurait pu laisser l'action au moins. Oh je me suis fait avoir parce que le souci c'est que j'ai utilisé tellement de points avec Kevin. Oh là là. Ah là 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 là. Ah, ça c'est pas bon du tout hein. Ça c'est pas bon du tout. Oh là là, et puis encore une faute en plus, c'est pas vrai, mais il y a tout contre moi là. Attends, est-ce que je veux pas faire la passe? Je veux juste faire une balle. Balle facti. Oh là là. Ok, hors-jeu, ça va. Allez, Bobby récupère. Ok, nickel. Et ils sont rapides et tout. Ils sont tout le temps sur la balle en fait. Tu prends la balle et 2 secondes après, ils sont dessus. Oh là là, Kevin qui arrive pas à la prendre en plus. Ah là, par contre, c'est pas mal. Allez, s'il te plaît, Shadow, fais le taf. Voilà. J'ai du 25, je pense qu'avec 25, je crois que je pourrais faire un tir après. À mon avis, avec ça, je dois pouvoir faire un tir derrière. Je peux faire un choc du dragon. Je sais pas si c'est assez, malheureusement, parce que je sais pas si Hillman va utiliser une technique. J'espère que c'est assez. Ok, normalement, c'est bon. Boum. Bon déjà c'est 1-1, je sais pas si un match nul suffit pour effectivement passer le truc. Ça c'est un petit souci parce que bon c'est pas un match officiel donc peut-être que je peux perdre. Hein. Enfin je pense pas. Je pense pas que je puisse perdre mais bon.
Bon, vive ce goal, hein, évidemment, de Kevin. Hein. Bon, le truc, ça serait maintenant de se focaliser sur Axel, parce que Kevin n'a plus rien du tout comme point technique. À moins que, vu que c'est la mi-temps qui a passé, je sais pas si je peux utiliser vu que c'est la mi-temps. Ah ouais, si, attendez. Bah écoutez, on va utiliser sur Kevin alors. Hein. Ah, j'aurais peut-être dû donner une autre. Allez, Shadow, toi, tu fais une petite ombre furtive. Voilà, boum, ça fonctionne. C'est parfait, tac. Et du coup, en fait, le souci, c'est que là, je vais faire ça. J'espère que je passe. Ok, nickel. Oh non, what? C'est pas moi qui ai gavé le ballon. Genre, on m'a arnaqué là un peu, non? Allez, Bobby. Tacle de la mort, on utilise les techniques de la Royal Academy. Oh, c'est pas vrai, mais les mecs perdent le ballon comme ça, quoi. À votre avis, est-ce qu'il va faire une technique de tir? Je pense. Ouais, ah non, même pas. Bon, du coup, j'ai utilisé la main magique pour rien. Mais bon, c'est stylé. Ça va utiliser beaucoup de points, mais on en aura encore derrière, donc ça va. On peut encore prendre un tir sans souci. Oh, il récupère pas la balle. Ok, là par contre, la petite balle factice peut peut-être passer. Oh, mais c'est pas vrai, mais il rate tout le temps, wesh. Ok, faute. Bon, ça va. Que je vais faire, c'est que je vais faire une passe ici, une passe là-bas. Il est hors jeu évidemment, hein, parce que c'est un trou de balle. Allez, ombre furtive. Attendez, 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 attendez. Tac, je vais faire ça comme ça. Axel, normalement, on va se diriger vers le goal parce que le but c'est que lui en fait ait la balle. Parce que malheureusement, les autres. Oh, mais non! Allez, dis-moi que tu tacles, ok, il tacle pas. Toi, t'y arrives, Nathan, quand même, hein? Avec une technique, ok, non, il n'y arrive pas non plus, c'est pas vrai, il nous passe tout. Bon, je vais faire une main céleste. Ah, j'aurais peut-être dû faire plus qu'une main céleste. Je sais pas si une main céleste, ça l'arrête ou pas, par contre. Ok, c'est bon. Fin du match. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? On a manqué de temps. Match nul, vous pouvez tout de même être fier de vous. Oh là là, c'était difficile, hein? Ouah, c'est donc ça la véritable force de nos entraîneurs, le talent de l'Inazuma Eleven. Bon, on a essayé de vous ménager, vous savez. Si j'avais 40 ans de moins, j'aurais bougé plus vite. On va devoir renforcer votre entraînement progressivement. C'est comme ça que nous avons été formés. Oui, d'accord. Du coup, c'est bon? Très bien, on s'est suffisamment entraîné pour aujourd'hui. C'est l'heure de la touche finale. Faites-moi signe lorsque vous serez prêt. En fait, je suis prêt, mais je sais pas si je vais devoir faire encore un match ou un truc comme ça. On va bien voir. Bon, c'est l'heure de la touche finale, vous êtes prêts? Oui. On vous a préparé pour cet événement. N'allez pas nous décevoir durant le match de demain, pigé? Oh! Vous voulez pas lever le pied? C'est qu'on n'est plus tout jeune. La ferme. Ok. Hé, ça me rappelle le bon vieux temps. Très bien, c'est parti, on va leur montrer la pression de manière progressive. Le match d'entraînement contre les anciens était vraiment un moment fort. Nous avions l'impression de vivre un rêve. Après tout ce temps passé à s'entraîner, nous avions réussi à maîtriser l'oiseau de feu. Puis le jour du match arriva. Ah!
Alors j'espère qu'ils sont moins forts que les anciens par contre. T'en fais pas, on l'a apprise avec les anciens. Même s'ils utilisent la même technique contre nous, ils ne réussiront jamais à nous battre. Quand tout le monde sera prêt, on ira à la gare. Eh bien écoutez, est-ce qu'on va à la gare ou pas? Ouais, on n'est qu'à 15 minutes d'épisode, donc malheureusement, je pense qu'il faut un peu... On va par contre, attendez, parce que dans mon inventaire, là... non, c'est sur formation. Et je vais aller sur Steve, là, parce que... Très clairement, il est un petit peu... Attendez, c'est un milieu, est-ce que... Non, c'est défense, ok, j'ai pas de milieu derrière. On va lui apprendre tout simplement une petite technique, je sais pas. On va essayer de lui apprendre une petite technique à notre Steve parce que il a frappe rotative et électrocution. Mais du coup, il nous faudrait en fait une technique de défense. Oh, je peux lui apprendre ça à Marc. Est-ce que c'est intéressant d'apprendre à Marc du coup? C'est vrai que Marc, pour le moment, il a tire-grenade, main magique. Et main céleste. Et je peux lui apprendre des trucs, donc on va lui apprendre. Ouais, je sais pas combien ça donne. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Non, il n'y a pas besoin en fait. Parce qu'il a deux techniques déjà, donc ça sert à rien. Ça sert à rien, on va y aller comme ça. Oui, je sais, je passe par le parking alors que je crois que c'est plus court par l'autre côté. Quoique, je sais pas, tiens, si c'est plus court par l'autre côté. Hop, alors affiché la carte, on va à la gare. Puis je pense qu'on se laissera après le match contre les Shuriken parce que c'est vrai qu'un match ça prend beaucoup de temps. Et j'espère qu'on va pas avoir trop de trucs et que je vais pouvoir terminer celui-ci dans cet épisode. Allez, on est parti. Bon, le souci c'est que si j'utilise l'oiseau de feu, en fait, il va falloir que je fasse gaffe. Parce que s'il tire avec l'oiseau de feu, je pense qu'on va être obligé d'utiliser la main magique. Grand-père, nous avons réussi, nous allons enfin participer au football frontière. Regarde-moi, grand-père. Je vais enfin accomplir le rêve que tu n'as pas pu réaliser. Ok, direct. Ouah, stylé l'école. Ouais, même les buts, ils sont stylés. Leur logo aussi est stylé. Bon bah écoutez, on va espérer qu'il soit peut-être un petit peu moins fort que l'équipe de l'un des anciens. Allez, déjà, on est parti. Début du match, tac. Ouais, non, un tacle, ça marche pas malheureusement. Alors avec Shadow, on peut tenter une petite ombre furtive. Voilà, boum. Oh non! Ah, attendez, quoique. Peut-être que. Oh non, détriblement. Bon, ouais, laisse tomber. Kevin est battu, j'ai envie de vous dire. Alors par contre... Oh, nuage de poison, c'est plus puissant. Ah oui, en gros il pue un peu de la bouche, du coup il passe comme ça. Ah, faute. Voilà, bah oui, tu vois, c'est un peu comme s'il me blessait là. Continuer. Je pense qu'on peut tenter... Ah, je voulais tirer en fait. Mais je peux pas tirer. Je sais pas si j'ai une technique en fait avec Nathan pour tirer par contre.
Ah ok, toile d'araignée. Bon bah écoutez... Malheureusement, ça m'a l'air un petit peu compliqué cette histoire. Ok, nuage de poison, c'est vraiment puissant, hein. Décidément. Il pue un peu trop de la gueule. Oh non. J'ai fait le de ouf. Oh, c'est pas vrai, en plus il prend pas la balle. Ok, il envoie hors du terrain, donc ça c'est bon. On va faire la passe. Juste ici, tac, comme ça lui. Oh mais non, 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 par contre. Main céleste ou... Allez, main céleste. Oh non, il fait juste une, un petit lobe de merde. Je m'attendais à l'oiseau de feu. Je sais pas lequel peut utiliser l'oiseau de feu. Je pense que ça doit être leur capitaine, là. Mais... Celui qui est à gauche, là, avec ses cheveux mauves. À mon avis, ça doit être lui, mais... Bon. Allez, tourbillon. On va tenter de passer un petit peu avec tout le monde, hein, écoutez. Mais en fait, le souci là, il est où mon Axel là? Mais Axel revient un peu en arrière, mon frère. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, tourbillon raté. Oh là là. Allez, dis-moi que t'arrives à tacler, Kevin, s'il te plaît. Holo dribble, ok, c'est pas le... Non. Oh, stylé l'attaque. Par contre, c'est vrai qu'ils ont des techniques de ninja, hein. Allez, c'est le moment de tenter subtilisation, du coup. On lui a appris juste avant et ça a fonctionné. Allez, Kevin. Oh non, je voulais tenter de tirer, mais... Wesh. Bon, électrocution. Je sais pas s'il y en avait deux ou un devant moi. Parce qu'il y a deux joueurs qui suivent, mais... Ok, non, il y en avait qu'un, effectivement. Bon, du coup, ce que je dois faire, c'est ça. Et peut-être un tir direct, en fait. Hein. On va tenter électrocution et puis un tir derrière. Ok, ombre furtive gagne. Bon. D'où ils me sortent ça, eux? Oh, des triplements encore. Bon, ok, lui, il a bientôt plus de technique. Donc ça, déjà, c'est positif. Tacle de la mort. J'avais peur que ça rate parce que c'est quand on rate une technique, c'est souvent la même. Mais je voulais faire la passe moi. C'est souvent la même animation. Et tacle de la mort, l'animation au départ elle ressemble un peu à ça. Mais mi-temps à chaque fois. C'était déjà pareil contre les anciens quoi. Il y a la mi-temps juste au moment où je me retrouve bien devant eux. Continue comme ça, Marc. Nelly, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? On est au beau milieu d'un match. Ne venez pas nous déranger. C'est urgent. On a reçu un coup de fil de l'hôpital. Le directeur, Monsieur Raymond, il est... Quoi? Oh, Nelly, où cours-tu comme ça? What? Qu'est-ce que quoi? Le père de Nelly est à l'hôpital, what? J'avais zappé ça. Ok, nickel, il a fait une faute. Il est où notre Axel de Blaze? Ah, il est là-bas. Oh là là. Le souci, c'est que je vais remonter Bobby là, mais j'ai pas du tout confiance à ce que je fais là. Allez, tourbillon, dis-moi que tourbillon ça marche, qu'Axel prend la balle et je tire avec direct. Genre boum. Trampoline du tonnerre, je pense que ça doit fonctionner. Hein.
C'est qui a l'oiseau de feu? Du coup, c'est Nathan. Mais est-ce que je peux tenter de tirer à votre avis de là-bas? Parce que Nathan, il est loin quand même. C'est chaud de... Je vais tenter, je vais essayer de donner la balle à Nathan et de tirer. Mais lui, il est mis au milieu, non? Ça va être chaud, hein? Ouais, c'est ça, il est au milieu, c'est chaud quand même. Tacle, et puis je passe la balle à Kevin, allez. Hop. Passe la balle à Kevin. Ok, je voulais passer à Nathan, mais ça n'a pas fonctionné. On va lui passer au cas où. Spirale de défense. Hop, c'est bon, ça passe. Nathan, il a la balle. Ah non, bah non. D'abord, on a Kevin ici, en fait. Malheureusement. Qui s'est fait choper. Toile d'araignée est plus puissant qu'électrocution. Kevin a des bonnes techniques pour passer, mais malheureusement, là, effectivement, ils ont des meilleures techniques de défense. Ok, là, on est pas mal. Allez, spirale de défense, dis-moi que ça fonctionne. Oh là là, oh, le dribble est plus puissant. Ok, allez, contact. Aïe. Peut-être qu'on peut tenter le tir direct. Ah. Je m'attendais à un autre tir. Ouais, genre faute. N'importe quoi, wesh. Raté. Oh, le dribble encore. Bon, je pense qu'il m'aurait eu même avec une technique, hein. En vrai. Quoi? Il bat même ma charge enflammée? Attendez, il y a peut-être moyen de faire un truc si Nathan arrive effectivement. Prendre la balle, je peux tenter un tir, je pense. Ah bah non! À chaque fois que je veux tenter un tir, il y a quelqu'un qui vient me prendre, wesh. Allez, on est parti avec le mur. Nickel. Yes. Ouais, victoire de Raymond. Yes. Bon, ça devient chaud, hein. Marc, c'est terrible. Sylvia, qu'est-ce qui se passe? Le principal vient juste de nous prévenir. C'est à propos du directeur. Il a été gravement blessé dans un accident. On l'a conduit à l'hôpital. Quoi? Oh, 800 points quand même. C'est pas mal. Oh, c'est vraiment pas mal même. Axel subtilisation et Shadow tornade noire. Ça, c'est cool, une petite technique de tir avec Shadow. L'accident du directeur est survenu sur le nouveau terrain. Survenu sur le nouveau terrain fut un choc. Il avait, semble-t-il, été gravement blessé et conduit en urgence à l'hôpital.
Nous y accourions sans avoir le temps de célébrer notre victoire. Il fallut cependant attendre 2 jours avant que le directeur ne reprenne conscience. Nelly est au chevet de son père. Elle doit se faire tellement de soucis pour lui. On a gagné notre premier match du tournoi national, mais je n'arrive pas à me réjouir. Ne vous laissez pas abattre. Le directeur va s'en tirer, j'en suis sûr. Et au fait, la Royal Academy jouait aussi aujourd'hui. Bah, je suis sûr qu'ils vont se qualifier pour la finale. L'entraîneur a dit qu'il était parti voir le résultat. Ah, monsieur l'entraîneur, ça a donné quoi la Royal Academy? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont perdu. Hein? Je parle du premier match de Royal Academy dans le tournoi national. La Royal Academy a perdu. Vraiment, on parle bien de la même équipe? La Royal Academy a perdu 10-0 contre une équipe du nom de Zeus. Jude et les autres joueurs de l'équipe ont été emmenés à l'hôpital. Jude! L'accident directeur, la mystérieuse équipe de Zeus, quelque chose se tramait à l'ombre des regards. Eh bien, je vais sauvegarder, mais on va se laisser là, nous, pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si c'était le cas. Et voilà, épisode très sympa. On voit enfin l'équipe finale, on vient de l'apercevoir du jeu. Il me semble que c'est elle, l'équipe de Zeus. Donc on verra bien ce qui va se passer dans le prochain épisode. C'est vrai que là, ça s'accélère un petit peu, donc c'est cool. Bon, j'ai pas réussi à utiliser l'oiseau de feu, malheureusement, parce que effectivement Nathan, ben, à chaque fois que j'essaye, il était un peu trop loin. Donc c'était pas facile. Mais voilà, on y arrivera bien un jour. Sur ce, je vous laisse là. Allez, ciao, bye bye.